Bonsoir tout le monde, jeudi à ce 29 novembre 2022, content ensemble avec vous. Dans le moment pour me présenter effectivement tout point qui pourrait faire actualité pour journée jeudi. Augustin Dinardo, qui gagne 23 l'année, qui c'est Timon Saint-Michel de la Talaye, joue une arrestation parce qu'elle était dans un complot pour kidnapper un Timon qui gagne 8 ans qui relève Brown. Action ça passé nan quoi des bouquets nan fait mois d'octobre là malgré parents ont été en pile cob mais ça pas empêché monsieur yo tout yé petit là pour jusqu'à présent y a cherché personne moun pas ka konn qui côté yo fait avec là bien colonel Himmler Rebu qui fait plaidoyer sur ça mandé autorité haïtienne yo pressé pour faire suivi ak sa Canada fait côté le mettre en pile sanction sous dos plusieurs autorités dans pays colonel la trouvé que li nécessaire important pour pays d'Haïti prend sanction et puis mettez campé loin moun sa yo qui gen nan yo trempé dans zak brigandaille. Mesdames messieurs, en pile point ak lot encore pral faire essentiel actualité a pou journée jodi a puis tout préparé national là ensemble avec nous nan figinouan la police touye des gros bandits qui t'ap essayer faire un kidnapping sous population. Sofia TV 83 réseau information. Edmond Bouchit qui continue pour faire un plaidoyer et bien pour déploiement yon force étrangère et bien au niveau de et pays d'Haïti, il dit que force étrangère là lui même dit à possible et bien ambassadeur haïtien aux États-Unis. Edmond Bouchit continue et fait plaidoyer et bien pour déploiement yon force étrangère et pour combattre gang armé dans pays d'Haïti et bien situation sécurité pays a risqué et pour capable venir empirer et bien si pas gagnon intervention militaire et bien selon monsieur Bouchit qui confiait information ça avec journal Reuters et bien communauté internationale là li doué voyer une force de frappe en Haïti pour capable affronter groupe gang yo même si que la police nationale lui-même et li mettons fin dans blocage terminal pétrolier de Varé qui est provoqué en crise humanitaire dans pays là et bien c'est déclaration ça ancien ministre affaires étrangères l'a fait journal lundi 28 novembre 2022 à et à l'ambassade d'Haïti à Washington. Et bien, Conseil de sécurité de l'ONU discuté en octobre pour capable voyer troupes, pour capable affronter groupe gang yo, mais c'est une proposition ça qui recevoir et peu à d'attention depuis que la police lui reprend contrôle et terminal varé en mois de novembre là. Et bien, a déploré Edmond Bouzil, Edmond et Bouchit et bien qui a souligné que et déblocage du dit terminal et bien pas porter solution ensemble avec problème yo gang yo continuer à étendre yo sur territoire là sans la présence internationale pour capable aider nous à affronter ensemble avec yo et bien situation li même li a venir plus compliqué plus grave et déclaration ambassadeur d'Haïti aux États-Unis il fait et bien force étrangère là a-t-il dit devrait soutenir la police nationale et troupes là li même li doué fourni parce que lui-même lui frappé et il font appel et ça n'a rien en coalition et bien volontaire pour Haïti gouvernement qui est dirigé par monsieur Ariel Henry et lui-même qui était sollicité en octobre dernier intervention en force militaire pour faire face avec crise humanitaire qui a sévi pays et bien plus passé un mois après pas rien qui fait et yo pas jamais voyé et force là et bien entre-temps Canada avec États-Unis yo même yo adopté sanctions contre acteur politique haïtien qui selon lui-même et bien fini et pas fini ensemble avec gang armé dans le pays d'Haïti et bien Jean que Edmond Bouchit lui-même lui dit eh bien journée jeudi a faut communauté internationale à lui-même et lui capable dire un mot pour le connaître qui ça que lui-même lui a fait ensemble avec Haïti parce que nous connaît de temps en temps le Canada et yo dit t'a prendre gade les tout yo dit son l'autre n'a toujours été le même cas dossier ça et ben nous pour aller au niveau de et bon zone palais national et bien la police lui-même li font gros opération là côté que gagnent bandit qui tombé dans bloc palais national et bien semblait que c'est une machine yo t'a suivre et ben yo tout metté et bagaille dans mais aussi que et bon image son image qui choquante mais et l'on regarde pour nous modifier oui c'est image ça n'a pas regardé là mesdames messieurs c'est deux bandits ça pas fait trop longtemps qui tombé et tout près palais national. Mais nous obligé camoufler image là pour capable ouais parce que nous connaissons un grand public qui est extrêmement visuel et près d'elle mais Jean nous dit il y a à peine tombé là deux tours ça.
Oui, détour ça même yo à peine tombé c'est le bloc palais national mes amis malgré que longtemps ou tant que haïtien ouais gen moun kap mouri ta quitté et bon dit ça même yo pas besoin qu'on a fort parce que et monsieur même yo pas ouais yo c'est comme que même yo besoin faire et bien pas besoin qu'on si yo pral mourir. N'a toujours été dans même cadre dossier ça yo nous parler au niveau de la justice dans pays d'Haïti gen yon autorité judiciaire yo accusé qui a pris l'argent pour libérer inculpé. Eh bien, Réseau national de défense des droits humains a dénoncé en tentative de libération de deux présumés assassins par substitut commissaire et n'a pas qu'un bon prestat, M. Gentil Souvenir. En effet, RNDDH lui exigeait une ouverture enquête sur comportement et par qui était ça. Eh bien, la date 28 novembre 2022, incarcéré à la prison civile de Port-au-Prince pour meurtre sous et la personne de Gabriel François, 86 ans, Amos Edmond et son fils Signali Edmond, lui-même était voulu plus capable d'obtenir libération avec l'argent. En effet, substitut commissaire gouvernement Gentil Souvenir lui affirmé et selon RNDDH que lui-même était extrait et dans cellule de inculpé ça pour capable confirmer présence au niveau de pénitencier national, et bien faux théorique, et bien c'est ça que l'Organisation de défense des droits humains lui-même l'a dit. En effet, Paquetia qui ordonné le 11 novembre 2022 libération après lui-même, il était fin tendé, même joie, c'est ça que Réseau national de défense des droits humains, et bien commissaire Gentil Souvenir qui lui-même qui a fait marche arrière, et bien suite ensemble avec toile sac provoqué par et dossier ça dans paquet capital là, et bien c'est ça que RNDDH midi organisation informé que commissaire Souvenir lui empoché $10,000 américains pour faciliter l'élargissement de deux présumés assassins, et bien somme ça qui était emporté au magistrat par Yvon Edmond, frère d'Amos Edmond, et puis tonton Li Signali Edmond, c'est et ça que RNDDH lui-même lui fait dans le cadre de rapport, et bien sous base et constat ça, Réseau national de défense des droits humains, et bien, il a même recommandé avec le ministère de la Justice et Sécurité publique pour capable ouvrir une enquête sur le comportement commissaire Gentil Souvenir, et bien dans la tentative de libération inculpé ça, Amos Edmond et Signoli Edmond. Nous pensons que faut nous chercher photo commissaire Gentil Souvenir pour nous-mêmes nous capable connaître bien et pour que les journalistes aient posé la question comment faire lui-même lui fait à libérer bandit. N'abdou que monsieur pire aimer libérer bandit que libérer l'autre monde parce que c'est là que il même mieux censé à faire comme n'a pas aller directement dans cadre information yo, et bien et nous connaissons que gagnent à faire l'école tipa tipa, et bien n'abdou que au niveau de Saint-Marc, et bien l'école tipa tipa lui-même qui est commencé là, et bien n'abdou la plupart établissements scolaires yo étaient ouverts pour yo dans Saint-Marc en dépit des menaces et certains individus, et bien n'abdou que directeur l'école privée et publique, et bien en grande partie porte l'école yo était ouvert dans cité Nissa Sagia journée lundi 28 novembre 2022, et bien reprise activité scolaire qui effectue en dépit des menaces qui étaient proférées par individus et sous réseaux sociaux, et bien et selon constat que nous-mêmes nous capables faire gagner et plusieurs établissements scolaires, et bien côté que tu gagné élève l'école qui te gagné uniforme, et bien était proche chemin l'école dans une ambiance de convivialité et puis de retrouvailles, et bien majorité et na yo même ils étaient accompagnés de parents yo et puis proches yo qui eux même étaient comparent et messe traditionnelle mais Saint-Esprit qui était déroulé et dans paroisse presbytérale côté que eux même étaient et parler de satisfaction que yo gagné curé paroisse presbytérale la Watson lui et qui lui-même qui tape qui était célébrant principal cérémonie religieuse ça, et bien dans homélie circonstance ça il félicité différents acteurs dans système éducatif là qui au même qui comprennent nécessité pour permettre avec timon retourner dans salle de classe, et bien soulignant que l'éducation dans toute société est constituée en base de développement, et bien malgré ça il y a un pile jeunes garçons et filles qui au même aussi avenir pays et très bientôt, et bien c'est au même qui peut remplacer nous, et bien c'est ça que au même je te dis. Et bien malgré que nous connaît gagné en pile parents qui gagne problème économique, et bien yo pas connaît comment directeur l'école yo pral faire, est-ce que ou même y a pas et prend anti patience parce que nous connaît que moun yo pas gagné l'argent nan minute ça que nous même n'a parlé, et bien c'est en pile difficulté même au niveau de banque yo, faut moins que Jimmy porte banque yo fermé parce que yo pas ka recevoir l'argent,
et les dit pas qu'à recevoir yo pas gain l'argent pour même yo capable bailler un client si client lui-même li vient chercher l'argent et bien pas gain chance et pour joindre et bien c'est en pile difficulté et mais est-ce que à ce moment-là pour diaspora qui attendent nous là si vous encore bailler famille est-ce que c'est pas ta préférable que yo voye directement et dans maison transfert même que nous connais a besoin de bailler quand même près d'elle. Oui, je pense que c'est ça, parce que grand pile monde est obligé de voir par maison transfert, parce que si vous voyez longtemps dans la banque, vous avez 100 dollars, et bien, je dis à ou pas capable de jouer, parce que Kobla lui-même licencié pas rentrer. Et bien, n'a pas avancé dans le même cadre d'information qui est censé abdominer l'actualité, à côté que et nous pouvons aller nous rapide au presto au niveau de Gonaïve, cité Indépendance là, et bien, go naïve, côté que nous pouvons aller pour nous dire et comment que situation lui-même liée, nous connaissons en pile cas et de viol qui gagne, et bien, au niveau de go naïve, gagne information yo, gagne organisation Timoun Chrétien yo, dans le pays d'Haïti, OECH, et bien, c'est président organisation, révérend pasteur, Abses d'Axeus et Nakad yon point de presse et belte baye et ben journée lundi 28 novembre 2022 a li montré gros préoccupation li di li genyen et bien façon autorité dominicaine yo a pas déporté compatriote haïtien yo si tout timoun et pitio et ben pour capable vinn mete yo sous frontière et président organisation pasteur Abses d'Axeus qui li même li critiqué et président dominicain Luis Abinader et ben qui d'après et responsable OECH là et ben li pas respecté droit compatriote haïtien yo et li croit c'est une violation grave article 3 accord qui dans l'année 1989 entre peuple haïtien et peuple dominicain et cap vive sous île Hispaniola. Puis le président OECH la révérend pasteur Abses d'Axeus li salier démission directrice départementale environnement et dans département nord-est là qui c'est madame Wedline Pierre pour tête autorité dans pays d'Haïti qui prend décision pour capable relouvrir frontière. En côté yon extrait dans déclaration président OECH la révérend pasteur Abses d'Axeus qui lui et qui t'a pris une question journaliste dans Cité Indépendance là, Gonaïve. L'organisation des enfants chrétiens haïtiens OECH rencontrée avec la presse jeudi pour les capables dénoncer et même dénoncer avec toutes ses forces le racisme du gouvernement dominicain côté UAP déporté et déporter, s'il vous plaît, sans respecter aucune norme, sans respecter aucune convention, dans la façon yo ap déporter haïtien, surtout timoun yo. Et ceci, malgré l'intervention du Haut Commissariat des Nations Unies, monsieur ou encore président Abinader, li pralé tête droite au mur. M'a précisé pour la presse que environ 4000 timoun déportés en République dominicaine sans parents yo. Et ça, s'il vous plaît, nous ka imaginer qui problème ça créé. Déportation haïtien par ban ak pa paquet autorité dominicaine yo a fait nan dernier jour si la yo, sans compter l'autre gros mezi nan zafè immigration gouvernement dominicain en prend, genyen gros conséquences nan mitan population haïtienne nan ki déjà a traversé yon moment difficile nan l'histoire. D'après témoignage quelques citoyens haïtiens la Voix de l'Amérique te rencontré jodi mercredi 16 novembre 2022 a, ki pate vle voyo ak imaj yo enregistré nan la presse et kap mene aktivite yo sou frontière haïtiano-dominicain nan nan zone Wanamet Dajabon, c'est chaque jour autorité dominicaine yo déporté haïtien. Déportation sa yo fait en pile fois bien tan aswe ak en pile mauvais traitement. N'ap signalé non pas te tellement remarqué présence autorité haïtienne yo ou soit yon structure l'état qui sou place pour accueillir immigrants haïtiens yo. Sinon, organisation internationale pour migration OIM qui ba yo manger accueilli yo et ba yo frais transport les sa nécessaire. Joine chiffre officiel sur quantité haïtien yo déporté dans dernier jour cela yo qui sorti en République dominicaine paraît difficile et même presque impossible bon côté autorité haïtienne yo qui pas vraiment gagné yon contrôle sous ça. Cependant, série déportation cela yo après possible côté jusqu'au nia pour qu'on gagne réaction
qui sorti bon côté autorité haïtienne yo. Merci la vie. Pour moi-même, pour un, nous sommes professionnels. Pour deux, nous sommes commerçants. Et en même temps, ma grande, même pas ton pays. Pour deux, si tu es bon pour qui tu es, tu es 2000 francs. D'abord, les visiter. Ma tout passeport. Il est bon 5000 coûts. Oui. Alors 5000 coûts alors, pour faire qui ça? 5000 coûts. Pour qui ça? Merci. Merci la vie. D'accord, merci. Merci. Merci la nous, mais haïtien nous y est. Là, vous n'avez pas haïtien nous. Gardez pour les gars, si vous n'avez pas haïtien nous. Cabane sous moi, ma protège. Je vais travailler sous provision. Qui sont apprendre comme ça? Merci, informatique. En même temps, je suis statisticienne. En même temps, je suis professionnel. Merci la vie. Telle véreuse. 5000 gouttes. Merci. D'accord, merci. Même dans l'œuvre, je vais t'acheter nous là. C'est Balias qui met sous nous, nous vîmes grâce de soleil, nous vîmes grâce de Delma, nous vîmes la mer, nous vîmes nous vîmes les dames, nous vîmes les dames qui sont là que nous. Oui, merci. Merci la vie. Pour moi-même, pour un, nous sommes professionnels. Pour deux, nous sommes commerçants. Et en même temps, ma grande, même pas ton pays. Pour si tu es bon pour qui tu es, tu es 2000 francs. D'abord, les visiter. Ma tout passeport. Tu es bon 5000 coûts. Oui. Alors, 5000 coûts alors, pour faire qui ça? 5000 coûts. Pour qui ça? Merci. Merci. Merci la vie. Thank you.